C'est un club qu'on a créé suite. On s'apercevait que nos meilleures joueuses partaient souvent dans les départements voisins. Donc on s'est dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour les retenir. Donc on a proposé de créer un club. Ça n'a pas été facile à mettre en place, mais c'est donner les moyens pour réussir. Donner des perspectives aux filles qui, dès qu'elles arrivent en senior, elles n'ont pas forcément de solution. Même en U16 ou U18, il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont des équipes à 11. Donc nous, c'est ce qu'on voulait, avoir des équipes, une équipe à 11 pour pouvoir intégrer un championnat régional. Le siège, c'est ici, sur Marigny, parce qu'on a des belles installations. On a mis les moyens aussi pour les entraînements. On a un bus qui part du haut de la Manche qui ramasse les filles le mercredi pour les amener ici. Le but pour nous, c'est de former. Après, les résultats, s'il y a des résultats, c'est bien pour les filles aussi, parce que ça les encourage à persévérer, mais le principal objectif, c'est de former les filles. Nous, on est dans un groupe de 7 équipes. Il faut aller au Havre, il faut aller à Fécamp. C'est beaucoup de déplacements aussi. Les effectifs sont en augmentation, là. Surtout cette année, on a bien progressé. On est arrivé à 1500 filles pour le département de la Manche. Je ne sais pas s'il y a eu l'effet Coupe du Monde. Bon, là, on va avoir la Coupe du Monde féminine, alors ça va peut-être donner des envies aussi. Donc ça progresse bien. L'année dernière, quand on a démarré, on avait fait un petit stage pour les réunir toutes. Là, l'ambiance s'est créée et puis, depuis, elles sont inséparables. Voilà, on a des filles qui ont un bon état d'esprit, ça se passe bien. Aujourd'hui, c'est la Coupe de Normandie. On a la chance d'accueillir une des deux structures professionnelles de Normandie. Donc, on reçoit l'équipe du Havre. L'équipe, aujourd'hui, ce sont des joueuses qui viennent du centre et du Nord-Manche. Une équipe U18 féminine qui est constituée de 16 joueuses sur le club. Donc, vous dites, avec divers horizons. Des filles qui jouaient en mixité ou en foot à 8 et qui, depuis deux saisons maintenant, évoluent ensemble sous les couleurs du foot 50 féminin. L'objectif, c'est la formation. Ce sont des adolescentes qui sont encore au lycée. On est sur un triple projet, il ne faut pas se tromper. L'objectif, c'est d'accompagner les filles déjà dans leur scolarité. Elles sont au lycée, il y a le bac pour certaines en fin d'année, la priorité reste là. En plus de ça, si on peut leur apporter un petit plus sportif et un épanouissement personnel dans leur autonomie, la vie de groupe, la vie en collectivité, ça sera très bien. Mais on est vraiment sur la formation de l'adolescente et la formation de la jeune joueuse. À bientôt sur tevie.tv.